Le triangle OMB est rectangle MB, comme sur la figure imprécise ci-dessous. L'angle en M mesure 30 degrés. L'angle en O est coupé en trois angles égaux. Question, quelle est l'amplitude de l'angle marqué? Nous savons donc qu'en B, il y a un angle droit et l'angle en M vaut 30 degrés. Nous savons aussi que cet angle MOB est coupé en trois angles de même amplitude, amplitude que nous désignons par alpha. Ce qui est demandé, c'est l'amplitude de cet angle bêta. Comme MOB est un triangle rectangle, nous savons que l'angle 30 degrés plus cet angle 3 alpha doit être égal à 90 degrés et par conséquent, 3 fois l'angle alpha doit être égal à 60 degrés, d'où nous déduisons que l'amplitude alpha, c'est 20 degrés. Regardons maintenant dans ce triangle rectangle-là, nous savons que l'angle bêta plus l'angle alpha doit être égal à 90 degrés. Et par conséquent, l'angle bêta doit être égal à 90 degrés moins 20 degrés, c'est-à-dire 70 degrés. Et donc, la réponse E est la bonne. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade de mathématiques.